Salut, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ramadan Up et aujourd'hui, c'est une vidéo idée cadeau. Quoi offrir à votre famille ou à votre entourage pendant l'Aïd, pour l'Aïd ou même en soirée pendant le Ramadan. Moi, ça m'arrive aussi pendant le Ramadan, par exemple quand je suis invitée quelque part. Et ça fait toujours plaisir à l'autre qui nous reçoit de recevoir un petit cadeau. Même mes parents sont toujours contents quand je vais chez eux et que je leur amène un petit truc à la main. En tout cas, donc ces idées cadeaux, donc ils vont un peu du budget vraiment très petit, moyen à un peu plus cher, mais voilà, ça reste vraiment toujours très abordable. Vous me connaissez, j'aime bien vous présenter des produits des fois chers et des produits aussi très abordable pour qu'il y en ait pour tous les budgets. On commence donc tout de suite par ma sélection cadeau. Alors je commence par vous montrer des petits livres et des cahiers que vous pouvez offrir à votre entourage. Alors c'est pas habituel de recevoir des livres, c'est vrai que chez nous on offre rarement, moi je sais, j'offre rarement des livres, mais c'est vrai que de plus en plus je le fais parce que c'est vrai que ça c'est intéressant parce que voilà, quand vous aimez une lecture par exemple ou un livre qui est très intéressant, que la personne n'a pas en tête de l'acheter ou de le lire, ben voilà, vous leur présentez une lecture et vous leur parlez d'un livre qui vous a intéressé ou d'un livre qui vous a enchanté. Alors moi je sais que cette année j'ai envie d'offrir donc celui-ci, le livre Le Nectar Cacheté. C'est vraiment un très très beau livre sur le prophète, sur la vie et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du Sheikh Safi ur-Rahman al-Mubarakfouri. Et franchement le livre est tip top, ça a été vraiment très bien écrit, c'est une lecture contemporaine, c'est une biographie qui est contemporaine, qui rassemble plein de, comment on appelle ça, plein de témoignages sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est vraiment un gros ouvrage que vous pouvez très bien offrir, empaqueté dans un joli papier cadeau, et ça j'aime bien. Voilà, c'est vraiment une idée originale de cadeau pour l'Aïd. Alors toujours dans les livres et dans les petits carnets, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps donc une fille qui faisait des petits carnets nourrir sa foi. C'est un carnet en fait qui, donc comme elle dit derrière, grâce à ce carnet vous allez nourrir et entretenir votre foi en Dieu, en vous-même et envers les autres. Donc la méthode, donc c'est une méthode, donc la méthode répondre chaque jour à 3 questions par des actes simples, elle fera de vous une version plus consciente et heureuse. Commencez dès aujourd'hui. Et voilà, j'ai voulu vraiment mettre en avant son petit concept, donc nourrir sa foi. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc vous aurez votre carnet, vous avez à chaque fois, chaque jour en fait, la date à marquer en haut. Regardez, donc vous avez votre date ici à marquer en haut, vous avez une question, donc qu'est-ce que j'ai fait pour aimer Dieu, vous répondez en fait sur les lignes ici, vous l'écrivez en fait chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'aimer moi-même, et là vous mettez votre réponse. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres, donc vous mettez votre BA de la journée ici, et chaque jour comme ceci jusqu'à ce que en fait petit à petit vous-même vous soyez mieux, envers Dieu vous soyez mieux et envers les autres vous soyez mieux. Et franchement je trouve que c'est vraiment un très joli cadeau à faire, pourquoi pas à sa fille, à son ami, à sa maman, à sa cousine, pourquoi pas. Et ça c'est voilà, c'est super sympa. Alors il est vraiment très léger, très petit. D'ailleurs je vous en offre deux, donc je vous les mettrai en jeu ou sur Snapchat ou sur Instagram. Voilà, donc deux d'entre vous pourront gagner le petit livret nourrir sa foi, le carnet. Et voilà, c'est un joli présent je trouve. Alors toujours dans la spiritualité et cette fois-ci pour les enfants, voilà une petite idée cadeau que je vous présente et qui est super sympa. Donc le paquet n'est pas comme ça habituellement, c'est mes enfants qui ont commencé à l'ouvrir, Nargis et Balkis l'ont déchiré et recollé on va dire. Ça s'appelle 5 piliers, c'est un flash quiz édition Coran. Alors il y a plein d'autres éditions. Alors vous avez ici l'édition Coran, vous avez l'édition Hadith et je crois que vous avez l'édition Science et Islam. Alors désolé si je zozote mais je commence mon deuxième aligneur et j'ai du mal avec les S. Du coup donc c'est de la maison Zilige, zilige.com. C'est vendu sur le site Le Comptoir Givré, je vous en avais parlé de ce site là. C'est un site en fait qui vend des fruits, légumes, viande, charcuterie, donc à 100% halal sur internet. Donc pour faire vos courses en fait, les courses fraîches et surgelées sur le net, et qui ont aussi une petite partie jeux de société pour les enfants. Il y a des puzzles etc. en lien avec la religion et l'islam, voilà, pour aider nos petits bouts à connaître plus leur religion. Donc ça c'est s'appelle 5 piliers, il y a plein de petites cartes. Alors je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer, n'est-ce pas, c'est ça le but du jeu. Donc voilà, c'est une petite boîte, en plus c'est sympa, il y a une petite boîte, voilà, pour pas perdre les cartes etc, parce que souvent elles ont toujours cette manie de perdre tout. Donc et voilà, vous avez donc ici la petite carte comme ceci, et vous avez donc dessus la question et en dessous la réponse, là comme par exemple quels sont les 4 livres saints révélés nommés dans le Coran, et vous avez la réponse en dessous. Et ça c'est super sympa à offrir à nos petits bouts.
On continue toujours dans les cadeaux de l'Aïd. Regardez le joli paquet que j'ai reçu. Alors ça vient d'une petite entreprise aussi, ça s'appelle Sam Essence. Cette année, pendant un moment, je sais pas pourquoi j'ai bloqué en fait sur les odeurs musquées, sur les odeurs orientales. Bon, moi déjà j'aime ces odeurs-là, mais là j'ai découvert ça en fait sur Instagram. J'ai découvert ce compte sur Instagram et donc on s'est contacté en fait mutuellement. Alors, je sais pas si c'est lui qui m'a contacté avant ou moi. En tout cas, je crois que j'ai en fait liké certaines de ses photos et ensuite il m'a contacté. Il m'a envoyé un joli présent, donc je vais vous le montrer parce que franchement c'est des super jolies choses à offrir, surtout pour les femmes et les hommes aussi, mais ça c'est pour moi, donc du coup je vous montre un peu. Donc il y avait une bouteille en fait qui s'appelait, et celle-ci en fait m'a trop attirée, ça s'appelle Tifal Hub, donc regardez c'est bien bien ouvert. Tifal Hub, regardez déjà le packaging de la bouteille comme il est joli, déjà en dessous regardez comme c'est beau, c'est du doré et blanc, c'est super joli beaucoup. Et regardez la bouteille les filles. Franchement, elle en fait pas trop. Voilà, ce qu'il faut en fait. Elle est super, super jolie. Donc, il y a marqué Tifal Hub ici en arabe et en français. Et la bouteille est super belle. Alors, comment vous dire? C'est une odeur ambrée, musquée, à peine un peu sucrée. Je vous assure, on a l'impression en fait de manger un caramel un peu au safran. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu entre le... C'est une odeur orientale caramélisée. J'ai l'impression que c'est cette odeur-là, vraiment. Et la bouteille, regardez comme elle est magnifique. Donc c'est doré en dessous ici. Et là, vous voyez en fait le jus de la bouteille. Le jus du parfum. Elle est vraiment trop belle. Je vous mets de toute façon tous les liens des produits que je vous présente ici sur la vidéo en barre d'infos. Vous allez voir, vous allez checker, regarder. Mais franchement, l'odeur... C'est pas trop entêtant en fait. En plus, c'est pas très très fort. C'est pas un oriental très, très soutenu. C'est vraiment un oriental... à peine sucré, voilà, c'est assez sucré comme il faut et pour vraiment donner cette légèreté. Et la bouteille est trop jolie. Alors ensuite on va prendre le petit paquet ici. Donc j'ai découvert en fait aussi via en fait Sam Essence le Tahara Perle. J'en avais déjà entendu parler dans un salon 100% pour femmes. Et je crois qu'on n'avait pas eu l'occasion de se voir avec cette fille là pour qu'elle puisse me faire tester le produit. Je sais pas en fait, en tout cas on s'est perdu de vue. Et du coup avec Sam Essence, donc il m'a envoyé, je sais pas comment s'appelle le monsieur qui s'occupe du site hein, mais en tout cas il m'a envoyé cette bouteille là très jolie, très girly, vraiment très belle, voilà, elle est vraiment très chic. Donc avec Tahara Perle dessus, en fait vous pouvez l'avoir en 30 ou en 50 millilitres. Et en fait, à quoi sert le Tahara Perle? Donc le Tahara Perle en fait c'est un petit parfum musqué en fait, c'est un petit parfum oriental en fait pour les filles après les menstrues. Donc une fois que vos règles sont terminées, vous faites les grandes ablutions etc, en fait vous venez appliquer ça en fait en soins personnels sur le corps ou sur le bas du ventre etc. Voilà, c'est vraiment pour donner un effet de fraîcheur et pour se sentir un peu plus féminine et plus à l'aise après vos règles. Donc le Tahara Perle, alors faites attention, c'est pas à mettre sur les parties intimes, il faut éviter d'aller sur les parties intimes, c'est vraiment sur le corps et voilà, et ça sent super super bon franchement. Et vous l'avez aussi en petit musc, j'appelle ça les muscles, moi les petites bouteilles, mais vous l'avez en petite bouteille comme ça, regardez je vous montre. Il m'a mis ça dans un joli petit packaging trop beau et franchement les prix sont très très abordables. Regardez la petite bouteille, je la trouve super belle. Donc comme ceci, vous l'avez aussi en petit à la perle comme ça. Il m'a envoyé aussi un petit parfum perle de Djerba qui sent hyper hyper bon comme ça. Et ça c'est bien en fait. C'est un produit qui n'est pas très liquide, c'est un peu entre la crème et le gel. C'est un genre de produit crème gel qui tient beaucoup plus longtemps en fait qu'un parfum. Vous le posez en fait en petites gouttes comme ceci et venez masser sur votre peau. Et en fait, ça se liquéfie et ça fait comme un genre d'huile en fait. Ça fait, voilà, ça donne un effet un peu huileux. Et ça sent trop bon. Franchement ici, le Djerba, là, le... Comment il s'appelle celui-ci? Le Perle de Djerba. Franchement, ça sent trop bon. Alors, je sais pas parce qu'il sait que je suis tunisienne qui m'a envoyé ça. Mais en tout cas, ça sent hyper, hyper bon. Voilà les deux petits... Voilà les deux petits flacons. Je vous mettrai le lien de la boutique Sam Essence en barre d'infos. Allez jeter un oeil sur ce qu'ils vendent. Et j'aime beaucoup franchement pour la période Ramadan Aïd. Ça sent super bon. On continue toujours dans les parfums. Et ceux-ci, je vous les avais déjà présentés. Qui ont en fait un côté pareil un peu oriental. Ce sont les Black Musk. En fait, c'est la ligne Black Musk de chez The Body Shop. Je vous les avais présentés. Donc ici, on a l'eau de parfum. Ici, vous avez l'huile de parfum. Et ça, les filles, l'huile et l'eau de parfum, c'est...
un combo, voilà, vous pouvez pas vous en passer. En fait, c'est une huile qui est vraiment très concentrée, que vous allez poser d'abord sur votre peau, ou seule, ou avec l'eau de parfum par-dessus pour avoir une tenue vraiment plus longue. Et le dernier sorti, c'est le Black Musk Night Bloom, qui est un peu plus léger que le Black Musk basique. Là où on a le Black Musk Night Bloom, ça sent trop bon, donc ça c'est une eau de toilette, pas une eau de parfum, et c'est vraiment super joli. C'est quelque chose qui peut être porté par les femmes ou par les hommes, la bouteille est vraiment mixte. Voilà, vous pouvez vous l'offrir à quelqu'un aussi pendant le ramadan, c'est très chic et voilà, très minimaliste comme bouteille, c'est très très beau je trouve. Ensuite on passe à toute autre chose et là je vous montre mon petit unboxing de montre Daniel Wellington avec la campagne spéciale pour l'Aïd lancée par Daniel Wellington. Et enfin plein de marques s'intéressent maintenant au ramadan et à l'Aïd et à nos cadeaux de l'Aïd, et ça franchement c'est tip top, je trouve que c'est une grande avancée quand même. Voilà, on a maintenant comme The Body Shop, comme Daniel Wellington qui commence en fait à lancer des campagnes pour l'Aïd, et je vais vous parler de la petite campagne de l'Aïd qui est franchement tip top que lance Daniel Wellington. Alors je vous montre déjà le petit packaging, donc très très beau paquet à offrir à votre entourage, à votre mari, à votre maman, votre copine, que sais-je moi, tous vos amis et vos familles. Donc le petit sigle Daniel Wellington comme ça en doré. Vous avez donc bien sûr les montres femmes et les montres hommes, les bracelets femmes et les bracelets hommes. Et regardez, donc je vous montre moi celle-ci que moi j'ai choisi, regardez comme elle est belle, elle est vraiment trop jolie. Donc c'est une petite montre comme ça avec le cadran noir, ici en fait elle est en métal, un petit tissé doré qui est super belle, le petit bracelet, et ici voilà le petit la petite cerise sur le gâteau, c'est le heart charm. En fait c'est un petit charme à venir mettre sur vos montres, donc c'est un petit cœur qui va venir se fixer sur les trous de vos montres, et devinez ce qui est marqué dessus, il y a marqué mahab en arabe, amour, donc c'est amour en général, en fait l'amour pour votre maman, pour votre papa, pour vos frères, pour votre mari, c'est vraiment de l'amour en général. C'est pas comme le hub qui est juste un amour un peu plus plus homme-femme, là c'est vraiment le mahab, c'est un petit charme qu'on peut offrir vraiment à tout le monde, et le cœur super beau, comme je vous l'avais montré, ils avaient fait ça pour la Saint-Valentin, il est marqué love, et donc là c'est la petite campagne spéciale Aïd et Ramadan, trop jolie. Vous allez avoir un bracelet offert et le petit heart charm offert aussi, et ça c'est franchement tip top, c'est un joli cadeau. Vous allez avoir la montre, le bracelet et le petit heart charm, le petit charme en fait dans la boîte. Par contre il va falloir passer pour donc profiter de cette offre là, il va falloir passer par un lien spécial que je vous mets en barre d'infos, je vous explique pourquoi. En fait c'est une campagne qui est lancée qu'aux Émirats Arabes Unis, qui n'est pas disponible en France, donc quand vous allez aller sur le site français vous n'allez pas la trouver. Donc moi je vous mets un lien, j'ai demandé en fait avoir un lien, j'ai demandé donc à la marque en fait d'avoir en fait aussi l'équivalent en euros pour que vous puissiez voir ce que vous achetez bien sûr, parce que sinon on s'y perd avec les dinars émiratis. Alors du coup quand vous allez aller cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, donc les filles, ouvrez la barre d'infos, il y a beaucoup de filles qui ne savent pas qu'il y a une barre d'infos en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer plus ou sur une petite flèche en tout cas qui va dérouler toute la barre d'informations, vous allez avoir toutes les informations et les liens qui vous mènent donc vers les produits cités sur la vidéo. Vous allez tomber sur un écran qui va vous montrer en fait les prix en USD, donc en dollars, et vous allez avoir en fait quand vous allez choisir votre produit, vous allez cliquer, sachant que le dollar et l'euro c'est à peu près la même chose, ça donne vraiment une petite idée du prix en euros. Vous allez quand même cliquer, vous aurez aussi le prix en euros juste avant d'acheter, bien sûr vous aurez l'équivalent du prix en euros. Là vous cliquez, vous faites votre achat, l'achat se fait donc en USD, mais vous serez bien sûr retiré de la somme en euros sur votre compte. C'est vraiment une campagne qui me tient à cœur. Je sais que les Daniel Wellington, vous les voyez partout, mais moi je voulais vraiment mettre en avant le fait qu'ils aient fait cette campagne pour l'Aïd, et ça c'est vraiment tip top. Et bien sûr en plus de l'offre bracelet et du heart charm, vous allez pouvoir bénéficier du code promo que je vous mets ici, mon code promo, pour pouvoir avoir 15% sur vos achats chez Daniel Wellington, et ça franchement c'est pas négligeable, et voilà, il faut en profiter quand on a des codes promo, on a des petits cadeaux en plus pour faire des cadeaux quand il y a des occasions comme ça. Voilà, donc franchement tip top, la truc et la qualité des montres Daniel Wellington, bon c'est plus à démontrer, c'est vraiment des qualités, des montres de très très bonne qualité. Moi je porte que ça, pourtant j'ai d'autres montres, et je mets celles-ci parce qu'elles sont super légères, très très fines, faciles à porter, et en plus elles sont vraiment classe, et ça j'aime beaucoup. Voilà, ensuite idée cadeau de chez The Body Shop, regardez cette jolie étoile Best of Aïd qui est super belle. Je vous l'ai montré sur les réseaux sociaux déjà, sur Snap et sur Instagram, quand je l'ai
l'ai reçu et regardez la belle étoile. Franchement, elle est pas le packaging est trop joli. Alors, plein de coffrets pour l'Aïd, spécialement pour le Ramadan et l'Aïd, sont en vente dans les boutiques. Alors, malheureusement, ils sont pas sur le site, mais vous les trouvez dans toutes les boutiques de Body Shop, donc les boutiques physiques en fait de Body Shop dans vos villes en fait respectives. Et regardez à l'intérieur. Et en fait, ce sont des petites étoiles avec des petits coffrets à ouvrir, un peu comme un calendrier de l'Avent. Donc là, par exemple, c'est numéroté de 1 à 10 en arabe. Derrière, en fait, quand vous allez retourner le paquet, vous allez avoir en fait marqué Ramadan Kerim. Et ça, c'est vraiment sympa comme cadeau pour l'Aïd. Je trouve que c'est super joli. En plus, ça fait en fait plusieurs cadeaux en un. Voilà, par exemple, la personne, quand elle va recevoir l'étoile, va en fait chaque jour avoir un petit cadeau à ouvrir. Et ça, c'est super sympa. C'est un cadeau qui dure sur la longueur. Et voilà, là, vous avez des petits tiroirs à ouvrir, des petites boîtes à ouvrir. C'est vraiment super sympa. Et franchement, tip top et chapeau. Franchement, je tire mon chapeau à The Body Shop pour leur campagne Aïd. Je sais que moi à l'époque je voyais ça sur les deux body shops d'Angleterre où je me disais oh là là ça serait trop bien, on pouvait pas les acheter en France et je me disais ça serait trop bien d'avoir ça en France, pourquoi on l'a pas nous. Et enfin ça y est, depuis ça fait quand même 2 ans je crois ou 3, même un peu plus, que The Body Shop fait les petits paquets comme ça pour l'Aïd. Voilà, ne serait-ce que de voir déjà Best of Aïd, moi ça me réchauffe le cœur déjà que de voir The Body Shop faire ça. En tout cas The Body Shop c'est vraiment une marque moi que j'apprécie, qui me touche parce qu'elles ont souvent des campagnes pour les personnes réfugiées, c'est des produits qui sont cruelty free, qui font attention aux animaux, qui ne testent pas sur les animaux, des campagnes aussi pour l'Aïd qui montrent l'ouverture d'esprit de la marque. Et franchement ça je kiffe par dessus tout et c'est pour ça que je vous conseille d'aller acheter chez eux, mettre votre argent chez eux parce qu'ils font attention à nous. Et donc voilà, moi je trouve ça génial. En tout cas franchement super super cadeau, super belle boîte en tout cas et super beau packaging et super cadeau, donc du coup à offrir à vos amis ou à votre ami. Et enfin dernier cadeau que je voulais vous présenter, ce sont bien sûr mes hijabs Asma Fares, donc ma petite sélection de hijabs. Alors celui-ci vous pouvez les offrir bien sûr à des personnes qui portent hijab comme les personnes qui n'en portent pas, parce qu'elles peuvent les porter bien sûr, ils sont assez longs pour être portés en écharpe. Alors je voulais vous montrer celui-ci qui est vraiment fait pour les occasions. Donc ceux-ci font partie en fait de la petite collection hijab de luxe. Donc moi je porte ici le romantic pink. Il y en a aussi un qui est dans les beiges écrus très clairs qui s'appelle le Love in Paris, qui est vraiment très joli aussi. Et ce qui est bien c'est que pour les occasions vous avez un tout petit peu ici de dentelle et vous avez aussi quelques petites perles qui va rehausser un peu votre tenue de l'Aïd. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de perles partout, c'est vraiment simple sur ce côté là, tout est simple et vous avez juste vraiment sur le bout des deux côtés du hijab vous avez un peu de dentelle. Super jolie et très belle la dentelle, regardez. J'aime beaucoup, de très bonne qualité, et vous avez donc des petites perles ici. Et ça, j'aime beaucoup porter ça pour des occasions, pour des baptêmes, pour l'Aïd, pourquoi pas, et je trouve ça très très joli, voilà. Donc je vous mets bien sûr le lien de mes hijabs en barre d'infos, de la collection hijab de luxe en barre d'infos, allez jeter un oeil. Vous avez aussi les hijabs en mousseline qui peuvent être aussi offerts pour les occasions, pourquoi pas, mais je trouve que ceux-ci font un peu plus quand même occasion et Aïd, voilà. Voilà mes poupettes, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite sélection de cadeaux pour l'Aïd. Et Balkis aussi qui vous fait un petit bisou, tu dis bisou ? Du bisou. Alors elle est là depuis tout à l'heure, elle est à côté, je lui dis en fait de ne pas faire de bruit pendant que je fais la vidéo et la pauvre elle est pas à l'école aujourd'hui. Elle est à la maison, elle est un peu malade, du coup je la garde avec moi. Hein? T'es contente? C'est vrai? Tu leur au revoir mes chippies. Au revoir mes chippies. T'es restée sage, c'est bien, elle a pas dit un mot tout le long de la vidéo. Je vous fais donc de gros bisous, on fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine vidéo. Bisous. Moi aussi je fais des gros bisous. Mouah.